Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez très, très, très bien. On va ce soir, on va avoir trois sujets principaux pendant cette conférence. D'abord, tout d'abord, je vais vous annoncer des nouveautés dans le site, tout en particulier dans l'espace club. Et je vais aussi vous montrer ma façon de travailler dans mon dernière, dans tout mon tout dernier carnet que j'ai déjà commencé en été, mais je travaillais dans un autre en même temps. Et tout à la fin, on va aller aux questions, à vos questions. Je vais répondre à vos questions. Donc voilà. Donc on va au point numéro un. Pour les nouveautés, alors de la plateforme, notre hébergeur, c'est tout nouveau. C'est j'ai eu un live la semaine dernière et donc je dois mettre à jour tout ça parce qu'eux ils ont fait un énorme changement et notre hébergeur va nous permettre d'avoir un groupe de partage privé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous allez pouvoir publier tous vos dessins directement sans passer sur Facebook. Il y a beaucoup de sites qui proposent de partager ses dessins ou ses œuvres sur Facebook, sur Slack, sur Discord. Et en fait, ça fait que on a un cours à un côté et après il faut aller proposer ses dessins ailleurs. Bon, je parle que des dessins parce que c'est notre cas. Et ça, c'est l'avantage, c'est qu'on va avoir tout sur le même espace et ça va être beaucoup plus pratique. Donc, en plus, je verrai beaucoup plus facilement ce que vous faites, parce que vous savez bien comment Facebook, c'est super parce que c'est une plateforme où on a pu partager pendant des années et c'était gratuit pour tous, pour vous, pour moi. Mais maintenant, c'est inclus dans l'abonnement que je paye à ces hébergeurs et que vous allez pouvoir profiter. Et en fait, à chaque fois, comme vous l'avez vu pour les grands voyages de cet été, j'ai répondu à toutes les questions. Ça m'étonne que j'ai raté une question parce que je suis notifiée par mail. Je peux pas me faire notifier par Facebook parce que sinon je dors plus. Et là, en plus, on va avoir les commentaires sont sur chaque cours, sur chaque chapitre. Et la bonne chose, c'est que je le verrai et je verrai votre publication, votre commentaire qui a à voir avec ce qu'on est en train de parler sur ces chapitres-là. Et déjà, ça, c'est superbe parce qu'en plus, il va y avoir des publications dans le sujet. C'est pas, par exemple, quelqu'un publie quelque chose pour, mettons, un sujet qu'on voit dans le club pour dessiner des reflets d'eau. Et après, quelqu'un publie quelque chose en Facebook, je dis, publie quelque chose en Facebook d'un cours et autre. Ou même dans les ateliers, tout est mélangé. Il suffit qu'il y ait un ordre spécifique et après ça descend dans les méandres de Facebook et on ne le voit plus. Sauf soudain, quelqu'un a vu un super truc qui lui a touché et il fait un commentaire et hop, ça remonte. Donc ça fait un peu désordre. Et du coup, là, on va pouvoir, bon, ce que je vous annonce, c'est ce qu'on m'a dit, hein. On va voir en pratique ce que ça va donner. Mais c'est vraiment super de pouvoir faire ça. On va pouvoir, ça s'appellera, ça sera dans l'espace club, ça sera plus un espace des membres, ça sera une communauté. Et chaque personne sera une personne, une vraie figurant de cette communauté. Je sais pas si on dit figurant, mais une vraie personne, quoi, voilà. Donc, voilà. Et ça sera lancé le 28. Le live était la semaine dernière, donc on a vu, on était tous très contents. Et hier soir, j'ai reçu un mail en me disant, Renata, t'as pas encore migré tous tes sujets, fais-le avant le 28. Donc, après ce live, je vais avoir du boulot pour mettre toutes les postes du club
là où on me dit, je ne sais pas encore. Et après, je vais proposer aux membres de cette communauté, du club, un nouveau live qui ne traitera que de ces sujets. De ces sujets, si vous n'avez pas compris quelque chose, à partir de la semaine prochaine, vous me dites, à partir de mi-semaine prochaine, vous me dites si vous ne comprenez pas quelque chose. À mon avis, ça sera beaucoup plus facile pour vous. En plus, il y aura, si en plus vous n'êtes pas seulement que dans le club, mais en plus vous êtes, vous avez carnet de voyage, mettons, ma formation carnet de voyage, donc vous pouvez aussi avoir tout au même endroit. Ça ne va pas être mélangé, mais ça va être, mettons, vous avez lettrage, carnet de voyage et le club. Donc vous allez avoir lettrage, carnet de voyage et le club. Mais tout est accessible à partir d'un même endroit. Et si tout se passe comme je pense, vous allez même pouvoir publier dans cet endroit-là vos dessins pour carnet de voyage, même si vous n'êtes pas dans le club. Ça, je ne suis pas encore sûre. J'espère que ça sera possible. Donc, voilà. C'est parce que notre hébergeur, là, il travaille énormément pour faire une communauté. Puis on se sent un peu, voilà, on va sortir, on va se boire un thé, un café, et on va vraiment partager nos travaux, nos dessins, notre évolution. Et je trouve ça génial. Et surtout quand c'est bien ordonné. Comme je vous ai dit dans le mail de ce matin, hein, on change des saisons, on range les habits, mais en dessin, on est spontané, mais il faut un petit peu de rigueur dans tout ce qui se passe derrière pour ne pas se faire surprendre. Donc voilà, je vais vous prévenir quand il y aura ces lives. Ça sera un live un peu technique. Si vous avez des questions avant, c'est bien de me l'envoyer et pas attendre les lives, parce que comme ça, si je ne sais pas moi-même, je peux me renseigner avec les SAV avant et bien vous expliquer après. Ça sera une période test, ça, les changements, c'est toujours un changement pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment pas les changements, mais c'est que pour notre bien, apparemment. Voilà, donc ceci dit, on va maintenant tourner la caméra et on va passer au point numéro 2 pour vous montrer mon carnet. Voilà, alors, une seconde, et hop. La caméra est partie. Alors, avant de commencer cette révision des quatre cours carnet de voyage, qui est un résumé de ma formation carnet de voyage, bon, un résumé non, c'est une extraction très condensée. Si vous inscrivez à la formation carnet de voyage, vous pouvez profiter d'un prix spécial septembre, vous m'écrivez un mail et je vous donne ces liens si vous êtes intéressé. Sinon, de toutes les façons, je vous ai donné quatre cours gratuitement, assez complets. En fait, c'était les quatre cours pour les ateliers du vendredi et que j'ai complété encore plus pour les membres du club. Alors, avant de commencer, je voudrais vous montrer ça, parce que c'est sympathique de vous montrer behind the scenes, derrière les rideaux ou derrière la scène. Je ne sais plus comment on dit en français. Bon, je sais qu'on dit autrement. Et pour vous montrer un peu mon nouveau carnet. Voilà, c'est un nouveau parce que je viens de le commencer. Celui-ci, j'ai bien commencé par la première page. Alors, ça c'est... un des paysages des Déniens. Attendez, je vais vous montrer parce qu'on va travailler ça après. Seconde. Et donc, c'est. Voilà. Alors, est-ce que ça tourne? Une seconde. Oh, ça tourne pas. Une seconde. Voilà. Oui. Bon, voilà, c'est cette image-là, parce qu'on va parler tout à l'heure du cadrage. Donc, vous voyez, c'est une interprétation. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone n'a pas envie de se tourner. Peut-être... pourquoi tu ne te réveilles pas? Ah oui, d'accord, comme ça. Et donc, voilà. Et donc, on a ici
Une des rues qui m'intéressait, et tout à l'heure je vous parle de ça parce que ça m'a servi pour travailler pour ces lives d'aujourd'hui. Alors, commençons par juste une petite description de ces carnets que j'ai commencé si c'est ça. J'étais en Bretagne, là je suis allée avec mon hybride dessiner à Carantec. Et donc c'était rigolo, on a trouvé un coin sympathique et on a fait connaissance parce que je la connaissais pas encore. Puis il y avait ce personnage-là sur la plage, donc j'étais pour essayer. Ici, je ne me rappelle pas, j'étais quelque part, j'ai testé différentes techniques, voilà, peu importe. Ce n'est pas un dessin abouti, mais c'est juste pour vous montrer, mes carnets des dessins ne sont jamais tip-top de la première page à la dernière, parce que pour moi, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres y pensent de mes carnets, mais si j'ai un temps pour dessiner quelque chose, j'y vais, j'ai des choses, peu importe où je suis, parfois il me manque des pages, attendez, je cherche quelque chose pour vous montrer. Par exemple, là, j'ai travaillé pour un de mes stages cet été, ces pages-là. Et la page est restée comme ça. Et en fait, après, j'avais envie de continuer à travailler sur certaines textures. Et donc, voilà, j'avais une page pas finie, donc j'utilisais ça. C'est pour moi le carnet. Et c'est ce que je vous dis toujours. Mais moi, je respecte le fait que vous ou quelqu'un d'autre veuille avoir du début à la fin un carnet nickel chrome. Ça, je comprends. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, je m'amuse comme je peux. Ça, vous le connaissez. Donc, voilà. Donc, comme je peux, quand j'ai une page un peu libre, j'y vais, je fais autre chose. Ici, j'avais cet espace libre et c'était un monsieur que j'avais envie de dessiner. Donc, je l'ai collé là au lieu d'utiliser une nouvelle page toute blanche. Ici, c'est à Carantec aussi. Très, 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 très vert. Je commençais à faire le château derrière. J'ai déjà fait ça l'année dernière. Et je l'ai fait un crayon couleur bleue. C'est. Je l'ai pas ici, mais en fait, ah, si, il est là. C'est celui-là, c'est le Derwent Inktense. Ils sont très souples, ils sont aquarellables, mais comme vous pouvez voir, ça m'intéresse pas le côté aquarellable. Ici, ce que j'ai fait travailler, donc j'ai fait la partie château derrière, d'abord, et j'étais avec Bonne Hybride là aussi. Et j'avais pas fini, et j'avais un autre paysage des plantes et j'ai rajouté ça ici sur le château qui n'était pas fini. Il y avait une partie à arbre que j'avais mis en aquarelle et après on était parti, il faisait froid et j'avais pas fini. Et donc je me suis amusée à faire des verres avec des crayons couleur pour donner un côté très intense, très poussé. Ici, regardez bien. Là, derrière les arbres, moi j'adore ça, mais je ne sais pas si ça vous touche. Moi, ça me touche énormément. C'est par exemple là, on fait derrière avec un crayon plus foncé pour faire naître, disons, les troncs d'arbres. En travaillant le foncé des derrière, on fait venir les troncs en premier plan. Ou première ou en un plan plus approché qu'elles font. Et ça, j'adore faire ça. Ça donne de l'effet. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est des traits. C'est pas forcément des hachures très cherchées. D'autres traits comme ça, d'autres comme ça. Et en fait, l'idée, c'est donner de la texture. Je trouve que ces dessins n'est pas super wow, mais c'est juste vivant. Et l'expérience était géniale de faire ça. Donc voilà. Ah si, je ne vous ai pas parlé, ce carnet, c'est Sea White au Brighton. Voilà. C'est un carnet que j'ai découvert l'année dernière grâce à Caroline, une franco-anglaise. Et donc, j'adore. J'aime beaucoup le Moleskine et aussi le Honey Mulet. Mais tous sont avec du papier de ce type-là. Pas de texture, c'est des papiers lisses, c'est pas des papiers aquarellables ou si, je sais pas, c'est peut-être ce qu'on appelle mix média, j'ai aucune idée, désolé, mais attendez, faudrait faire une recherche si ça vous titille. Et papier
fait spécialement pour des artistes écrits. Voilà. Et comme on est tous des artistes, on peut l'utiliser alors. Donc voilà, on va continuer. Ça, vous le connaissez, c'était pour cet été. Ce que j'ai montré ici est quelque chose que j'ai montré aussi pendant les stages. Et vous avez vu ça dans le club, c'est qu'on peut dessiner un poisson. Un poisson, un sujet, peu importe. Ça, là, on est un peu dans la mise en page, d'accord? On fait un poisson, puis un autre. Ce sont des poissons que j'ai fait dans mon livre. Dans mon livre, il est où mon livre? C'est lui-ci. Voilà. Et c'est un royaume. Là. Voilà. J'ai tout simplement copié ce que je fais pour le livre. Voilà. Ça, c'est des exercices que je fais. Vous voyez, c'est très. Ça sent assez bien les couleurs. Là, j'avais fait des pas à pas. Et là, je les refais. Voilà. Voilà. Plus ou moins. Hein, d'accord? On ne fait jamais deux fois la même chose. Et du coup, j'ai montré ici, chose qui n'est pas dans le livre, comment vous pouvez relier. Parce qu'au lieu d'avoir un poisson, un poisson, un poisson, et puis j'ai fait un autre poisson, et après un poisson, je pouvais faire un gros poisson ou rien du tout. Là, j'aime bien écrire des choses, simplifier, mettre une tête, voilà. Et donc, en fait, avec mon pilote, je fais un trait là, comme ça. Et après, des décorations comme ça. Parce qu'on peut avoir juste comme ça. Mais quand on remplit un peu là, puisque le poisson n'est pas une aquarelle, on peut mettre en couleur le fond. Mais juste un petit peu. On peut aussi faire ça dans la partie extérieure. Moi, j'aime beaucoup faire des petites boules là, comme ça. Et accorder avec des textes. Ici, ce que je fais en plus, c'était des ronds. Et ça fait un peu des ronds comme des gouttes d'eau dans l'eau, voilà, là où sont les poissons. C'était un truc spontané, c'était pas du tout calculé. C'est en fait, j'ai envie de faire des ronds pour habiller un peu ces poissons, un petit peu seulement. Donc voilà. Puis on va. Voici cette page maintenant. C'est la suite de cet atelier. Et ici, c'était les textures à grandir un élément de notre sujet, comme les poissons là. Donc là, c'était les écailles que j'ai traitées en crayon couleur. Je fais d'abord un aplat, un aquarelle. Je trouve que ça a la tête, voilà, avec le texte en rond. Ça, c'est l'œil. Il faut deviner que c'est l'œil. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris une photo des Google et j'ai agrandi l'œil du poisson énormément. Et j'ai essayé vraiment, vraiment de suivre quelle est la forme. On voit si c'est un œil, je ne sais rien, mais je fais des traits comme ça, et voilà, je mets à la page. Et j'essaie de monter la caméra, mais un peu juste. En fait, quand je filme, et après je fais une démo, je la monte pas trop, parce que sinon on voit mes cheveux. C'est pour ça que j'ai mon bonnet que je vais mettre tout à l'heure. Il fait un peu chaud pour mettre le bonnet, mais bon. Bon, voilà. On est là. En agrandissant les éléments. Et je suis pas très à plat aujourd'hui parce que c'est des questions de mode. Vous voyez sur Instagram, il y a pas mal de monde qui fait des aplats. C'est chouette, hein? Le résultat, j'aime bien, perso. Mais j'ai tellement fait dans les années 90, ouais, 85, 90, quand j'étais graphiste. On faisait des aplats à tir et non à tout va, disons. Et donc, c'est pas. Aujourd'hui, pour l'instant, je ne suis pas contagiée, on verra. Ça viendra peut-être. Donc voilà, chacun aborde son carnet comme il veut. Vous aimez quelque chose sur Instagram, par exemple, vous le copiez, mais ne publiez pas, s'il vous plaît. Vous le publiez, non, vous le publiez pas, pardon, encore. Vous les copiez. Parce que vous aimez. Et vous regardez qu'est-ce que vous aimez dans cette chose-là. Je l'ai déjà dit ça plein de fois, mais peut-être vous êtes nouveau ici, donc c'est pas trop. Peut-être vous avez oublié. Un jour, quand vous n'avez pas l'inspiration, vous prenez Instagram ou Pinterest, peu importe, et vous cliquez carnet de voyage, par exemple. Ou cliquez illustration de je ne sais pas quoi, ce que vous voulez.
Et vous faites défiler et vous voyez sûrement quelque chose que vous aimez. Parfois, je m'endors en regardant des choses, je trouve ça super beau. Qu'est-ce qu'on peut passer du temps sur Instagram? Je vous dis, faites attention, plutôt dessiner au lieu de tout copier que vous voyez. Mais il y a tellement de belles choses que c'est un peu dommage de passer à côté. Et donc, c'est pas juste passer à côté parce qu'on peut voir, admirer, mais si ça vous plaît, essayez de refaire parce que vous allez apprendre en faisant. Et surtout les jours où vous n'avez pas d'idée de quoi faire. Vous pouvez un jour vous dites, ah, je sais pas quoi dessiner, vous ouvrez votre Insta et copiez. Voilà. Et copiez, mais n'oubliez pas. Ça, je répète X mille fois. Donc voilà, donc j'ai mis là. Je reviens à ça, le texte ici, ça c'est la typo la plus simple à faire, je trouve. Et après on joue dans les auteurs, ou on peut faire comme ça aussi, c'est une autre façon de faire. Alors là, pendant que je vous parle, je vois cette poisson, il est un peu plat par rapport au fond. Donc, je ne conseille pas de retoucher vos dessins, mais voilà une autre alternative. Je fais ça juste parce que je suis en train de filmer. Si je n'étais pas en train de filmer, je ne l'aurais pas fait. Parce que si on fait une petite ombre, on pourrait peut-être donner un petit peu de volume à ces poissons qui est sur les textures. Et après, je me dis peut-être, c'était même pas nécessaire. Je sais rien. Je le saurais seulement une fois fait. Alors voilà, est-ce que c'était nécessaire? J'espère que je ne vous fais pas perdre du temps en faisant ça. Moi, par rapport à mon dessin, ça m'est égal. Bon, voilà, je trouve que ça ne rajoute rien du tout. Je vois à peine la différence. Bon, passons à la page suivante. Voilà, c'est pour rigoler aussi. Voilà, bon, l'oignon de Roscoff fait au stylo. J'ai acheté des stylos. C'est ceci. J'ai vu ça sur un site, et donc je l'ai commandé. Je suis pas 100% convaincue pour l'instant. Écoutez, hein, je vous montre ça comme ça. Il faut tester. Il faut tester un peu plus. J'ai juste fait ça. Mais j'ai l'intention de l'utiliser, et après la crayon couleur et l'aquarelle. Bon, pour l'instant, j'ai d'autres choses hein, à route, donc je fais que cet oignon-là avec plusieurs des couleurs de ces paquets-là. Puis, je me suis dit, mais les oignons de Roscoff, il faut que je rajoute un champ. Donc, j'ai rajouté un champ avec du stylo bic. D'abord, les petites maisons. C'est à Roscoff, ça, hein? Bien sûr. C'est les oignons de Roscoff. Puis, j'ai rajouté avec l'aquarelle, le fond. Et puis, j'ai rajouté avec ce bleu-là, toujours, en faisant comme ça. Vous voyez, ça fait illusion des plantes. Vous tenez loin votre crayon de la pointe et vous rajoutez. Mais surtout pas trop, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et à la fin, je rajoute un peu d'aquarelle là-dessus et du craie. Et avec le pinceau, comme certains d'entre vous connaissent déjà, j'ai mis du bleu et j'ai fait comme ça sur le ciel. Et ici, j'ai mis un sopalin, effectivement, pour qu'il y ait que sur le ciel. Et je fais comme ça avec le bleu sur le ciel. Vous voyez là, les traces, vous voyez les traces du pinceau, et j'adore ça. Voilà, j'adore ça. J'aime bien l'effet que ça donne. Alors, maintenant ça, vous connaissez, c'est la petite maison que j'ai choisie pour les cadrages. Donc, c'était mes premiers travaux. Et ici, c'était un soir. En général, le soir, je m'assois, je me mets à dessiner, à tester des choses différentes. En aquarelle, voir qu'est-ce que ça fait, aquarelle seule, avec les crayons couleur, c'est super, j'adore ces effets, mais bon, voilà. Et puis ça, vous le connaissez, ça c'était le premier jet, et là après ça. Je trouve, et je vous conseille de faire ça aussi, des petites cases que vous remplissez au fur et à mesure. Et je ne vais pas assez élever la caméra, mais bon, voilà, là vous le voyez. Et c'était des différentes techniques, la mise en page, quand on met un objet sur le bord, n'ayez pas peur. Si vous, on dit qu'il y a la règle de celle-là, pardon, je vous le montre comme ça, quand il y a la règle des tiers, que vous pouvez avoir sur vos téléphones, quand vous pouvez l'afficher ou pas, si vous avez un smartphone. Un smartphone, c'est un téléphone
mobile avec l'internet. Et si vous avez un smartphone, voir ça. Mais vous avez ça aussi sur un appareil photo. Donc on dit que ça c'est votre cadrage, disons, ou votre double page. Peu importe, ça peut être votre carnet aussi, hein, vous voyez. Et si vous mettez votre sujet ici, ou ici, ou ici, ou ici, pardon, je vais faire ça avec du vert, c'est mieux. Ça aura un meilleur impact, parce que ça se verra mieux que si c'est planté au milieu. Après, on dit, il ne faut pas faire des symétries. Il ne faut pas que tout soit pareil d'un côté vers l'autre. Mais je vous invite à faire exprès des symétries, mais en changeant un petit truc. Par exemple, une couleur d'un côté et de l'autre. Et vous pouvez aussi, on dit qu'il ne faut pas mettre votre sujet ici, par exemple, au bord de la page. Ouais, ça c'est, mettons, ça c'est votre carnet, ouais, au bord de la page. Mais faites-le. Si vous le faites exprès, c'est pas pareil que si c'était un accident. Pensez toujours, avant de commencer, je vous en parle tout à l'heure à nouveau, comment vous allez le mettre sur la page. Ne vous jetez pas sur une page directement. Donc voilà, là c'est ce que j'essayais de montrer justement, c'est mes petites maisons sur le coin. Mais ça va avec ça aussi. Et faites, ne faites, essayez de ne pas faire dans le milieu, mais toujours un petit peu à droite. Mais vous allez voir tout à l'heure, moi je commence un peu au milieu, mais je réfléchis avant dans quel côté ça sort plus. Là par exemple, c'est énorme ici, c'est super grand et un peu trop grand quoi, on peut dire. Mais au contraire, si vous le faites exprès, ça peut amener vers quelque chose. Ici c'est carrément décentré, pourquoi pas? Bon, je laisse ça plutôt en bas parce que ça bouge beaucoup. Ici, je l'ai fait vers les bas pour voir. Ici aussi, je fais plusieurs tests pour vous montrer que l'important, c'est vous faire plaisir et ne vous laissez pas manger par le dessin et par ce que vous n'avez pas pensé à faire à l'avance. Et si c'est pas tout à fait ce que vous avez pensé et que ça vous dérange, c'est pas grave, c'est juste un dessin, d'accord? Ici, je l'ai fait qu'au crayon de couleur. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors ça, je vous montre tout à l'heure. Oh, pardon, ça c'est une autre feuille. Et ça c'est des tests. Et pareil, parce que je travaillais ça pour les ateliers du vendredi et pour le club. Et ici, c'est toujours ces paysages-là. Hop, voilà. J'étais en train de travailler ça, les valeurs, les différentes façons de les présenter. J'avais pas trop envie de prendre du feutre. Donc, j'ai essayé qu'avec des lignes. Donc, voilà, ça, c'est encore des tests. Et alors là, c'était à partir d'une photo d'un carnet. Et donc, ce que vous avez vu là tout à l'heure, je mets une feuille blanche. Bon, ça, c'est une feuille blanche que je mets là. Comme ça, je peux continuer à dessiner ici. Parce que comme c'est des crayons de couleur, si je dessine ici, ça va passer d'ici à ici. Donc, je mets ça de temps en temps. Une fois que je suis plus loin, je l'enlève, peu importe. Ici, c'est une chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je cherche l'autre carnet. Ah oui, il est ici, l'autre carnet. C'est le carnet qui m'a servi pour les stages et que je remplis, je remplis. Donc, je tiens le jour. Je ne vais pas bouger la caméra parce que c'est un petit peu compliqué. L'autre jour, j'étais à Dénia et il y a le Mongo. Donc, je voulais faire toute la montagne, je n'ai pas eu la place. Donc, je me dis, ah tiens, c'est rigolo. Et si je prenais. Ah non, pardon, c'est dans l'autre sens. Allez. Pardon, ça commence ici, le Mont. Ouais, voilà. Et ça continue comme ça dans l'autre carnet. Donc, comme vous avez vu, ici, je fais le ciel. Et ici, je n'ai pas fini, je le finirai. Donc, voilà. Après, je suis gagnant. J'ai un dessin sur deux carnets. Bon, voilà, ça c'est juste pour la blague. Mais bon, j'ai bien aimé de faire ça. C'était sympathique. C'était la première fois que je fais ça. Donc, ici, il me manque les ciels. Et là, ici, je mettais qu'est-ce que je fais d'abord. Et les différentes étapes et tout ça. Là, je laisse une page blanche. C'est une chose que je fais souvent quand je fais un dessin
et que j'ai un peu peur de passer à travers, le temps que je ne l'ai pas photographié, je ne fais rien ici. Mais je ne fais pas ça à tous les coups, mais voilà. Ici, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les études de cadrage et tout ça. Et voilà, regardez, c'est ça que j'aime dernièrement, ce type de dessin. Qu'il y a que la ligne, peu ligne, toute verticale, parallèle, voilà. Où il y a des intensités diverses, des traits. Vous voyez, rien n'est droit. Et c'est ça que j'aime bien dans ces dessins. Alors, et une autre chose, ça vous l'avez peut-être vu sur Instagram, et je vous en parlerai dans quelques semaines. Et donc hier, j'étais en train de travailler sur ces mêmes paysages que vous avez vus là. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous avez ça, on va parler directement. La photo est ça. D'accord? Qu'est-ce que vous allez cadrer? Comment vous allez cadrer? Ici, qu'est-ce qui me plaisait beaucoup? C'était ces coins-là. Ces coins. Vous voyez? J'aime beaucoup ces coins. Ça, attendez, je vais vous montrer exactement ça. Ça exactement. Oui? Mais, voilà. Ça, en gros. C'est le coin qui me plaît. C'est pour ça que j'ai pris la photo. Mais j'aurais pu choisir aussi ça. C'est parce que c'est mignonnet aussi. La définition n'est pas très bonne parce que c'est normal, c'est un agrandissement d'un agrandissement. Et là, il y a mon go, celui que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai mis en couleur. Donc, j'ai rien dit, ça c'est pas le mango. Ça c'est un Denia, le petit mont où il y a le château derrière l'ancienne ville des pêcheurs. Le mango est bien derrière, désolé, excusez-moi, je me suis trompée. Donc ici aussi, je peux dessiner uniquement les parties hautes. Je peux dessiner que cette maison jaune avec la voisine. Je peux dessiner avec le bateau, sans le bateau, je peux dessiner que ça. Les possibilités sont énormes. Alors, ici, vous pouvez voir, je fais des essais rapides, des vignettes, comme ça, en essayant. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vous laisse voir le château. Ici, c'est la maison jaune et le château et la maison à côté. Ici, c'est le tout. Ce que je fais ici, finalement, c'est ceci. Ici, différentes façons de mettre sur la page aussi. Ici, je travaille les plans. On viendra plus tard. Donc voilà, c'est pour vous montrer toutes les possibilités. Alors, j'ai une partie haute. Il reste toute cette partie basse où j'ai rien mis. Alors, et je ne vais rien mettre, je pense laisser cette page comme elle est. Donc ça, c'est une statue qu'il y a près de la mer. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas réfléchi en faisant ça, je me suis un peu jetée dessus. Et puis, je commençais ici à dessiner ces maisons-là. Je ne vais pas faire le mont derrière avec le château, ni ici. Sauf si je le fais en couleur ici et ici. Tiens, on va faire ça avec vous peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller chercher de l'eau. Voilà, l'eau. Heureusement qu'il n'est pas très loin. Et je vais mettre ça. Je fais ça avec des pinces à linge ou avec des clips comme ça. Voilà. Je me suis assise. Je suis maintenant debout pour mieux voir ce que je filme pour vous. Ah oui, ça c'est une pince. Ah, ça c'est une pince plus jolie. On devient coquet avec ces trucs. Alors, on va mettre comme ça. Je peux sortir ça parce que je n'ai plus besoin de protéger. Bon, comme ça, vous voyez comme je fais ça pour de vrai. Hein? Pour de vrai. Bon, je ne fais pas ça pour n'est pas vrai. Hein? Donc, mon fameux assiette. Je ne les ai pas mouillés avant. On dit qu'il faut mouiller ces aquarelles. Voilà, elles sont un petit peu sales.
Mais ça se récupère après. C'est ça la surprise dans les aquarelles. Voilà. Donc, ça c'est du... je sais pas ce que c'est. Attendez une seconde. Parce que je remplis ça il n'y a pas longtemps. C'est du cobalt. Voilà. Maintenant, vous le savez aussi. C'est du cobalt. J'aime bien faire avec le céruléum, le ciel. On va faire un petit peu plus propre. Je mouille et je mets un peu mon assiette. Voilà. Voilà. Allez, on va travailler un peu plus proprement pour vous. Et je prends une autre feuille de sopalin. Non, c'est là, ça sert. Donc, voilà. Cette assiette, vous inquiétez pas, ni le verre, je le l'utiliserai jamais pour manger dedans. Vous savez que on devrait éviter de jeter ces eaux d'aquarelle, ça, dans la nature. Si vous sortez dessiner dehors, ne jetez pas ça dans l'herbe et tout ça. Trouvez un caniveau. Je pense que dans le caniveau, il n'y a pas de risque parce qu'il y a quand même du cobalt dedans. Il y a d'autres métaux dedans et c'est mieux pas abîmer la nature avec toutes ces choses-là. Parce que on dessine pour le plaisir, mais on va pas gâcher la nature en même temps, n'est-ce pas? Alors, oh, il est un peu sale mon bleu. On va faire le cobalt. Alors, ah oui, mais je voulais pas faire un ciel, je voulais faire une montagne. J'ai oublié déjà. Donc, voyez, là je le monte. Je devrais prendre un petit peu de verre. Allez, l'eau est là. Vous n'auriez pas le voir. Oui, mais il me fait de l'ombre. Non, allons. Prenons ça, là derrière. Voilà. Mon dessin aurait été peut-être mieux si je ne touchais pas. Mais c'est juste pour vous montrer une alternative. Et on ne se prend pas la tête. Voilà. Parce que je n'ai pas l'intention de colorier ça. Donc, ça peut être mon château là derrière, et maintenant il a, ops, ma montagne, pardon, et elle va bien au-dessus de cette maison, et ça peut être sympa que ça passe par transparence sur le poisson, donc, et ça arrive ici, alors on va faire comme ça, oh là là, montagne un peu. Bon. Voyez, je utilise toujours le même pinceau, peu importe. C'est un pinceau rond, taille 10, synthétique. Celui-là, c'est une marque, mais quand il sera abîmé, ça sera une autre. Celui-là, c'est Beste. C'est allemand, sûrement. Et donc, voilà. Voilà. Ça fait montagne, hein? Alors, je peux le laisser comme ça, comme aussi faire comme ça. Et c'est resté dans les intersections. Voilà. Juste, il n'y a pas besoin de plus, puisque c'est là, sur ma photo, c'est beaucoup plus plus foncé. Mais j'ai un peu peur de gâcher tout ça. Vous voyez sur la photo vous-même, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'informations partout. Partout. C'est joli, mais il y a beaucoup de choses. Et c'est justement ce que je voulais éviter. Ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de... Je mets de turquoise, avec un petit peu tchitchi, comme ça. Et comme ça, ça fait un petit peu plus chaud, plus proche. Allez, et si je mettais un petit peu d'ocre? Oups, un peu trop. L'ocre n'est pas du tout transparent. Donc, tiens, et si je faisais comme ça? Bon, voilà, ça donne ce que ça donne, d'accord? Mais, il y a une autre chose, maintenant que j'y pense, je vois ça. Il y a le bateau qui a du bleu, et là, comme j'ai du bleu, je vais rajouter du bleu. Par contre, là, ça me plaît pas trop. Je vais rajouter du bleu foncé, là, en bas. Et si je faisais un petit peu comme ça, c'est pas assez mouillé, vous voyez? Ça n'a pas marché pour moi, là, non plus, parce que c'est pas assez mouillé. Mais là, c'est mouillé. Je peux faire aussi comme ça, si vous voulez pas que ça soit tout le dessin, faites comme ça. Voilà, il y a plein de petites astuces que, voilà, il faut pas
être trop, qu'est-ce qui va se passer? Oh, quelle horreur. Je sais pas. Voilà, là, par exemple, j'ai taché. Est-ce qu'on va gommer un peu? Voilà, j'ai gommé. Ah! C'est pas bien, Renata. Mais ça peut être aussi, regardez. Là, c'est un panneau. Ah, c'est tout. Et ici, on va faire le bateau en bleu. Et c'est tout ce que je fais en bleu dans cette page. Rien d'autre. Un bleu, un couleur. Il y a assez de couleurs déjà. Pas besoin de charger. D'accord? Voilà, je vais laisser comme ça. Et il y a aussi le truc qui dirige les bateaux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça en a un chouïa plus de volume, quoi. Voilà. Et là, par exemple, j'ai. Pour cet arbre, on peut dire que c'est le premier plan à peu près avec les bateaux. D'accord? Chose qui est sur la photo, qu'est-ce que nous avons en premier plan? On a là le trottoir, puis la rue. On peut faire un plan, deux plans, mais comme il ne m'intéresse pas, je vais dire un plan. Après, je peux tenir en compte que le bateau, c'est mon troisième plan et la maison derrière, le quatrième. Je peux décider ce que je veux. Mais là, par exemple, je peux décider que jusqu'au bateau, c'est le premier plan. Voilà. Quelqu'un m'a demandé comment on décide les plans. C'est vraiment, moi, personnellement, je travaille comme ça. Je décide comme je veux, les plans que je veux, quoi. Et donc, la maison jaune est plus proche de moi, mais je décide qu'elle est au même plan que toutes ces maisons-là. Jusqu'ici, au moins. De la blanche jusqu'à celle-là. Après, l'autre. Est-ce que je veux la mettre dans le même plan ou pas? Tout ça, c'est décision en fonction de ce qu'on fait. Et là, il y a une maison, là, sur le côté. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux l'ignorer ou je peux juste mettre un bord et pas la colorier, pas l'utiliser, ni rien, juste pour habiller le dessin. Je peux aussi l'oublier et m'arrêter par là. C'est ce que j'ai souvent fait ici, par exemple. Je me suis arrêtée là et de toute façon, il me manque ces maisons. Il me manque ces maisons-là. Ici, j'ai les deux fenêtres, là. Et ici viendrait la maison noire, mais je voulais pas rajouter ça en plus. Ah tiens, je peux vous montrer autre chose. Le crayon de couleur, le Derwent bleu, vous pouvez rajouter en dessinant dans le mouillé. Ici, par exemple, ça j'aime beaucoup faire. C'est mouillé encore, d'accord? Et je fais comme ça, mais pas trop, parce que sinon ça devient trop important. J'aurais peut-être pu le faire en bleu clair. Attendez, j'ai un bleu clair quelque part. Voilà mon bleu clair. C'est un quoi? Qu'est-ce que c'est? Un Faber-Castell. Je sais même pas d'où c'est sorti. Et comme vous pouvez voir, je taille pas beaucoup. C'est un côté, je sais pas pourquoi, mais bon, un peu flemme quoi. Et plus on taille, plus on abîme la pointe aussi. Donc voilà. Bon, peut-être on fait un peu trop. Vous voyez? Je peux mettre ici aussi un peu de bleu et ici un petit peu. Voilà. Ça, je mets doute, voilà, c'est fait, peut-être une fois sec, c'est plus intéressant. Pour l'instant, je trouve que ça fait trop désordre, mais bon, pas grave. Et donc je pris là le bateau en premier plan, et tout ça en deuxième plan, et ça c'est le troisième plan, d'accord? Alors, comme c'est encore mouillé, je vais faire, d'habitude je prends un sèche-cheveux s'il n'est pas trop loin, et je sèche avec les sèche-cheveux. Et sinon, je mets une petite feuille là. Le papier, hop, comme ça. Et voilà. Ah oui. Elle est un peu gondolée. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, vous voyez ce que ça donne? Ça aura donné là-dessus. Bon. Il n'y a que ça qui est mouillé. Alors. Donc, j'ai ces dessins-là. Je ne sais pas ce que je vais faire sur le reste de la page. Je n'ai aucune idée. C'est toujours le même paysage où je voulais travailler la montagne. Et je vais laisser là. Tout ça, c'est du travail d'après photo. Je finis là-dessus. Je suis allée me coucher. C'était 1 h du matin. C'était le temps d'y aller. Donc, normalement, cet immeuble est noir ici, mais ça me plaît pas trop. C'est trop noir. Voilà, comme vous les voyez là. Mais c'est ça aussi qui fait le beau contraste avec les jaunes.
Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, je vais tourner la caméra parce que c'est à vous le tour pour vos questions. À tout de suite. Allô? Ouais, là, vous devez m'entendre. Allô? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire sur l'espace? Dites-moi, s'il vous plaît, depuis quand vous entendez pas? Non, il n'y a pas tellement de questions, c'est pas bien difficile depuis le tournage de la caméra. Ah, ok. Ah, oh, bah, désolé. Donc, j'étais en train de dire que l'hébergeur nous donne la possibilité d'avoir un espace de partage privé et on va pouvoir partager les dessins sans sortir des cours ni sans sortir du club. Il n'y a plus besoin d'aller dans Facebook ou tout un sympa. C'est bien cette possibilité, mais c'est un peu un désordre. Et là, on va pouvoir mettre ça bien. Moi, je veux pouvoir voir vos dessins sans vous dire, ah bon, c'est où vos dessins? Je ne peux physiquement, au niveau temps, là, chaque jour à 24 heures, je ne peux pas aller voir. Je peux voir vos dessins, mais si vous me dites, ah oui, mais mon dessin machin, est-ce que tu peux me dire? Non, je ne peux pas, parce que comment est-ce que je vais trouver ton dessin? Et donc, j'ai trouvé des astuces, mais là, ça va être bien plus simple. Donc voilà, beaucoup de gestes, mais pas des sons. Bah si, tu dois avoir des sons là. Là, il y a le son là. Bon, voilà. Voilà, j'espère qu'il y a le son. Alors, je disais aussi que les clubs, c'est un buffet à volonté parce que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Depuis 3 ans, il y a plein de sujets. Toutes les semaines, je publie au moins une chose
Et vous pouvez dessiner un paysage, vous pouvez dessiner un portrait, selon ce que vous avez envie. Aujourd'hui, on a mangé un buffet à volonté avec Frédéric. Bah, il y a tout ça, mais on ne va pas tout manger. On va manger ce qu'on a envie. Et c'est, voilà. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il y aura deux niveaux, c'est au gold, au bronze, je ne sais pas si ça, comment ça va être à partir du 1er octobre. Et donc, tous les anciens membres vont profiter du membre de la communauté or. Ça, c'est évident. Donc, voilà. Paire de formation auquel. Oui, exact. Non, bien sûr que non. Non. Voilà. Alors, la question, je suis en train de dire, je répète. Pour les poissons, j'ai fait les poissons. Anna a demandé si c'était l'aquarelle. Si, c'était l'aquarelle. Et sur les écailles, j'ai mis des crayons d'aquarellable. C'est Derwent, mais j'aime bien les Caran d'Ache aussi. Et je les aime parce qu'ils sont pas durs, sont agréables, quoi. Voilà. Je les mouille pas. Même si là, vous avez vu, je les mets dans les mouillés. Mais pas toujours. C'est juste pour vous montrer une alternative comme une autre. Alors, je sais plus, j'avais une autre question. Ouais. Ah, bah, si, quand, c'est ça, quand on commence un défi ou une formation et tout le monde commence en même temps, c'est pour ça que je fais carnet de voyage et je propose une fois par an qu'on commence tous en même temps parce que ça donne une nouvelle énergie. Mais après, si quelqu'un est descendu du car, on ne sait pas. Moi, perso, je sais pas où est parti, hein. Et comment est-ce que je fais pour rattraper? J'essaie avec des messages et tout, mais après, parfois on les entend, parfois on les entend pas. Ouh. Donc voilà. Désolée, je n'ai pas appuyé sur le bouton son tout à l'heure quand je suis revenue. Donc voilà. Si vous avez une question, allez-y, parce qu'après on va faire la fête. Alors. Bon, merci. Merci d'être venu. Je vois qu'il y a plein de personnes qui sont déjà parties. Donc, bon, si vous avez rien, bah, je vois pas de questions. Bon, je vais vous dire à bientôt. Alors, si vous n'avez pas de questions, c'est très bien, c'est très clair. Et donc, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez profiter du prix spécial pour le carnet de voyage, vous m'envoyez un mail. Ce n'est valable que jusqu'au 30 septembre. D'accord? Et je vous dis à bientôt. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao.